Salut, vous êtes la bienvenue sur la chaîne SmartTech 2.0. Nous allons réaliser un tutoriel en hardware dans l'informatique. Nous allons appliquer de la pâte thermique sur un ordinateur portable cette fois-ci. La dernière fois, nous l'avions fait, mais c'était sur un ordinateur bureau. Les outils, c'est un sésamo. Ça, c'est un bout d'aimant qui est dessus, s'il y a encore où il y a une vis qui tombe. Et ça, c'est des petits tournevis et les tubes de pâte thermique. Là, et une brosse à dents, une petite pince pour récupérer quelque chose, voilà, quelque chose de petit. Et ça, c'est un produit pour nettoyer les microprocesseurs. Et ça, c'est du spray pour donner un coup encore où on trouve de la poussière sur la carte mère. Donc là, vous voyez que la marque, c'est un Parcabel. Nous allons faire avec ceci. Alors, nous sommes partis pour les manipulations. Voici la chose. Première chose à faire, c'est enlever de la batterie. Donc, du coup, pour enlever cette batterie là, je crois que sur ce modèle là, il suffit de prendre ça là. Vous voyez où est-ce que j'ai mis ça là pour le truc et la batterie sort. Ça, voici la batterie. Sur cet ordinateur là, nous y reviendrons pour changer le clavier dessus parce que il y a un souci de clavier aussi. On va commencer par dévisser. On va commencer par celui-là. Hop. Et les petites vis comme ça. Ne vous inquiétez pas parce qu'elles sont tous de la même taille. Si jamais vous dites-moi comme ça qui va nous aider. Afin qu'on applique de la pâte thermique là-dessus. Ok. Normalement, s'il y avait tous les vis, on aurait eu pour un bon moment. Tac, 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 on vérifie s'il n'y a pas d'autres vis. Si, 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 il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas une vis ici? S'il y en a une. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accéder au microprocesseur. Prenez la peine de tout dévisser. Tout, tout, tout. Bon, vérifions s'il n'en reste rien. Tac, 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 tac. Il reste une vis là. Et tac 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 tac, on vérifie. Pour ces vis, je crois que c'est ok. Là maintenant, il doit voir toute vis. C'est-à-dire que c'est trois là. Celui-là, celui-là, celui-là. Ok. Donc les trois de la même taille.
Ouais, j'ai même pas pris la peine de vous dire le modèle et tout cela. Ça, le modèle est là. Si vous voulez, je vais vous le lire parce que c'est un paquet Belizinote TE11HC01FR. Ça, c'est le modèle. Si vous avez un modèle du même type, il faudra procéder la façon que je procède. Mais dans tous les cas, il faut dévisser pourquoi le microprocesseur il est à l'intérieur sur la carte mère. Donc pour accéder à la carte mère, il faut dévisser. Ça c'est un travaux, un gros travaux qu'il y a à faire en informatique. Donc du coup, on a tout dévissé. Et déjà, on voit que ça, on accède ici. Ça c'est les disques durs que vous voyez là. Et ça, c'est les barrettes de mémoire. Je ne prends même pas la peine de vous dire d'enlever tout ce qui est métallique sur vous, puisque vous savez, il y a de l'électricité statique. Je vous l'avais déjà dit la première fois sur le tutoriel. C'est la même chose. Ça, c'est le disque dur. Le lecteur CD. Hein. Il faudra remonter après. On va enlever les barrettes. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, les antennes Wi-Fi, on va les enlever aussi. Sans ça, vous n'avez pas de Wi-Fi sur votre ordi. Donc, là, ok. Donc, ça. Vous pouvez dire que vous allez enlever cela. Vérifions s'il n'y a pas de vis ici. Il n'y en a pas. Normalement, lui, on va venir pour changer le clavier là. Parce qu'on arrive, j'arrive pas à trouver le bouton pour celui-là. Là, il faut acheter le clavier complètement. Et ça, c'est lorsque vous serez abonné à la chaîne normalement. Que je monétise les vidéos. Comme ça là. Venez vous le placer ici. Sur ce modèle là, c'est comme ça. Vous faites entrer. Déclipser. Comme je fais là. Avant tout. Ok, on a fini. Maintenant, on va s'occuper du clavier. Prenez le tournevis du type là où on doit insérer pour extraire le clavier. C'est très petit. Là, vous prenez un tournevis plat comme celui-ci. Hein. Venez vous chercher. Normalement, vous avez un point pour faire venir le clavier comme ça. Ici, il y en a un. Ici, à partir du moment où vous sentez que comme ça, faites ça, vous avez votre clavier qui est sorti. Tac. Et là, vous pouvez accéder au dénompage du clavier. De toute façon, il y a deux petites choses à mettre. Des petites, je sais pas si vous voyez bien. Ces deux petites t'inquiète là. Il suffit de pousser, comme ça lâche la nappe. Vous pouvez l'extraire. Lorsque vous l'entrez, ça veut dire que ça tient la nappe. Donc nous, dans notre cas, on va le pousser. Une fois que c'est poussé, vous enlevez ça, vous voyez que le clavier, on peut le mettre ailleurs. Ici aussi, vous avez le touchpad qui lui est déjà connecté. On va pas se compliquer. De toute façon, il aurait fallu le déconnecter. Et les boutons power. Le bouton power aussi qui est là, qu'il faut déconnecter aussi.
Pareil, des petites choses à faire comme je fais là. Et hop, vous l'enlevez. Maintenant, c'est de la colle. Et c'est bon. Aussitôt que vous avez déconnecté tout ça du carte mère, vous pouvez enlever cette partie là. Et la partie que je viens d'enlever là. Tac. Attention, rappelez-vous où est-ce que vous avez déconnecté qui, quoi, ouais. Voilà notre carte mère. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? On a dit que qu'on allait appliquer la pâte thermique sur le microprocesseur, normalement, qui est cet emplacement-là. Mais sauf qu'il faut démonter la carte mère complètement pour pouvoir y arriver. Ok? Donc, du coup, pour cette carte mère, on va enlever les ports USB qui sont là, là. C'est ces ports là. Hein. Je sais pas si vous les voyez. C'est ces ports là. Ce sont les ports USB. Voici comment ils sont connectés à la carte mère. Donc, on fait ça et on enlève. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on n'a pas besoin de dévisser. Le ventilateur. Je vais même peut-être donner un coup là. Petite bombe. Il y a une vis par là. Une autre par là. Une autre par ici. Et puis, bon, de toute façon, il y a des vis qui sont plus sur cette machine là. On dévisse. Regardez-les bien parce que ils sont pas de la même taille. Voyez que la carte est mère. Et à venir nous voir. Normalement, il y a plus de vis que ça. Hein. C'est qu'il manque des vis sur celui-là. On va même déconnecter cet haut-parleur là. Vous voyez? Et l'autre haut-parleur qui est là. Vous avez vu? Tac. On va déconnecter l'écran d'abord. Ça, c'est l'écran. Déjà, oui, tac. Faut le tourner pour le voir celui-là. Hop. Voici ce qu'on cherche. C'est ce qu'on trouve là. Le processeur. Le microprocesseur, il est là. Ok, donc vous voyez que il y a quatre vis. Comme sur l'autre, mais sauf que là ce sont des petites vis très simples. Donc du coup, pendant qu'on y est, on prend notre tournevis, on regarde quel type de vis, tréciforme. Ouais, tréciforme, et hop, on dévisse. On met ça ici. Oui, hein. Une différence, vous voyez que la pâte thermique est séchée. Et si le microprocesseur sur celui-là, vous voyez la petite vis là dessus, celui que vous tournez, hop là, il ne bouge plus. Donc vous pouvez l'extraire comme je fais là tout à l'heure. Pour l'extraire, vous faites, vous mettez là, c'est une vis. Et là,
vous pouvez l'extraire facilement. Vous voyez? Bon, ok. On va passer au nettoyage. Enlever l'ancienne pâte thermique qui est dessus pour en appliquer de nouveau. Tout beau, tout propre. On va prendre celui-là aussi, parce qu'il faut qu'on nettoie. Là, notre refroidisseur est bien propre. On va venir prendre de la pâte thermique comme ceci et on vous faites vos petites seringues. Il y a d'autres, hein. Vous pouvez mettre sur le petit seringue là. Pour voir ça sur un bocal, vous venez. Vous taponnez un tout petit peu. Et hop. Ça lui va comme ça. Vous prenez celui-là. Vous pouvez en appliquer un tout petit peu aussi, ça fera pas de mal. Au contraire. Et mais on a fini avec la pâte thermique, on va remonter. C'est tout simplement ça. Hein. Parce que c'est beaucoup, c'est compliqué. C'est pas du tout compliqué. C'est que lorsqu'on va redémarrer cette machine là, vous allez pas entendre, vous allez, ça va pas chauffer comme ça a l'habitude de le faire. Ça, c'est la carte graphique. Que vous voyez là, il y a d'autres pannes pour ça. Par exemple, si vous voyez que les barrettes mémoire sont bonnes et que vous voyez plus d'affichage, vous n'avez plus d'image à l'écran, c'est ça qui fait ça. Et dans ce cas là, il y a des périphériques, mais il faut venir chauffer ici et hop, vérifiez bien que tout est serré, hein. Ah, avec de la pâte thermique à l'intérieur. Maintenant, place au remontage. Vous vous rappelez, vous remontez ça et que c'était placé comme ça. Avant, il y avait un câble qu'il fallait connecter comme ceci, ce câble-là. Parce que là, on est reparti pour le remontage. On appuie tout comme il faut. Et vous posez, vous branchez, vous rebranchez l'écran. Avant tout, vous allez faire passer la carte de wifi. Qui lui viendra se mettre ici. Je sais pas si vous voyez. Vous vous rappelez,
était passé par là. Ça se pose l'attaque. Ok. On va venir brancher notre écran et notre haut-parleur. Tac. Et la petite haut-parleur. C'est ça là. On va les brancher là comme ça. Tac. Puis on vient brancher le deuxième haut-parleur. Tac. Et vous faites bien attention que, ça c'est l'alimentation qui se trouve. Voilà, vous l'abîmez pas, sinon vous ne pourriez plus recharger votre ordinateur. On va bien placer la carte mère comme ceci. Elle est bien placée. On va venir connecter les ports USB là qu'il faut reconnecter, sinon vous n'aurez pas des ports USB. Vous voyez que je vous dis là ce qu'on avait débranché là au début. Ok, notre carte mère vient ici, on a connecté notre port USB. Ok, maintenant il reste à visser la carte mère. Vous rappelez qu'on avait enlevé 3 vis. Normalement il y a plus sur ce modèle là. Mais les mecs, je sais pas les mecs qui avaient ouvert ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc on va juste mettre les 3 là. Tac. Vous sentez que vous y en avez une vis par là. J'ai dit qu'il y en avait une vis. Il y en avait une vis par là. Vous verrez la vis qui se trouve par là. Vous sentez que. Ok. Vous voyez. Donc moi. J'ai remis la vis qui était par là. Par là. Et il y en avait une. Il y a un bout de scotch qui vient pour supporter Wi-Fi. Que cette partie là, on en a fini avec. Donc on vérifie qu'on a tout branché. Tac, tout est bien connecté. On vérifie que qu'on a tout reconnecté, tout bien vissé. On sent que notre carte mère est bien supportée. Il n'y a rien qui va venir le bouger. On peut venir placer cette partie là. Ok, on referme ça comme une siroie. Comme ça. Faut que vous attendiez clips. Si vous n'attendez pas clips, comme ceci là, tac tac, après les restes des vis vont venir les faire derrière. Ça.
Je viens connecter notre bouton power, sinon ben vous ne pourriez pas allumer votre ordinateur. Parce que pour dénapper ça, c'est vite fait. Hein. Mais pour renapper, faut être très attentif. Ok. Là, ne vous stressez pas. Si vous vous stressez, ça s'empire. Vous voyez que. Que ça rentre. Hop. Oui. Faut que ça rentre. Maintenant, vous venez vous fermer. Et vous fermez. Si ce n'est pas rentré, dire à présent le touchpad qu'on va venir faire la même chose. Le touchpad, c'est ça. C'est ça. Maintenant, moi, avant que je poursuis, je vais au moins tester le bouton pour eux. Voilà. Oui. Faut tester le bouton pour eux, sinon, je sais pas si vous voyez la lumière qui est là. Voilà. Ok. On poursuit. Donc si on poursuit, maintenant il reste le clavier à venir placer. Il est là. Vous avez déjà vu comment changer ça. Vous voyez, avec calme, vu ça comme j'ai fait tout à l'heure. Donc pour le clavier, on vient placer ça dans le bon sens. Et là, vous placez ça comme ceci. Vous jouez avec la nappe. Et votre nappe, ce que vous allez faire avec, l'encochage, dégager l'encochage d'abord. Vous le mettez au maximum en arrière. Et vous venez avec votre nappe. Vous le mettez comme ça ou comme vous voulez. Hein. Je mets comme ça moi. Hop. Et vous faites rentrer la nappe comme cela, sentez qu'elle est rentrée. Tac. Et vous pouvez le retenir. Avec ça, là vous le tournez, vous placez ça ici, que vous voyez, hein? Vous le placez d'abord ici en bas et vous le posez. Et là, la capille un tout petit peu, ça veut dire clap clap clap. Le clavier est à sa place. Bon, cette partie du redémontage est terminée. Il restait ça, ce bouton là qu'il fallait placer, chose qu'on va placer comme ça. Ok, on va mettre ça comme ça.
notre carte Wi-Fi, qui est celle-ci. On avait déconnecté. On vient, on l'insère ici. On fait passer notre fil comme ceci. Comme ceci. Attention, n'appuyez pas pour couper le câble. Et aussitôt que vous voyez que il est rentré dans son truc, on peut même visser sinon parce que ça va pas tenir. Ok, sinon le plus compliqué là, ça reste à faire. D'après vous, le plus compliqué c'est de mettre des câbles là, des câbles coaxial à leur place. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est grâce à ça. Ok, là on aura de la wifi. À présent, ce qui reste à faire, c'est de connecter le lecteur DVD. Ok, qui lui se met ici là, lecteur hein, qu'on avait démonté. On vient en place. Comme ceci. Le lecteur est placé. Maintenant, on peut installer notre barrette, nos barrettes. Et en premier lieu, on place celui-là. Tranquille. Je ne peux pas vous dire combien de gigas qu'il a, c'est pas le but. On vient prendre le deuxième. Tac. On vient prendre notre disque dur. On regarde bien. Place. Et monsieur, on remet le support qui est dessus. On va le support parce qu'il est fini hein. C'est fait. On va prendre les trois vis, les trois vis gris là, celle-là là, on vient le placer là où est-ce qu'ils étaient. Donc, puis tac, puis pop pop. Maintenant on prend nos fameux vis comme cela là, on commence au coin.
ça vite. Voilà, c'est bon, on vient de terminer les choses qu'on devait faire maintenant. Jusqu'à allumer la machine. Voilà. Et hop.